Oui, puisque je vous dis que c'est vrai. Après, le héros, il a couru sur le méchant et il l'a enfermé dans le puits. Et depuis ce jour, le méchant a juré qu'il allait se venger. En commençant par manger les enfants. Ça suffit, Charlie. Ça commence à me faire peur, ton histoire. Bah, je suis d'accord avec Souka, ça fait peur. Toute façon, il commence à se faire tard pour les histoires d'horreur, non? Moi, je vais rentrer à la maison. On se dit à demain, les potes. Ouais, c'est ça. À demain, mauviette. Ouais, c'est ça, ouais, à demain, bon. Il commence à se faire tard, je rentre chez moi. Et en plus, je commence à être fatigué. On s'est raconté des histoires d'horreur toute la nuit. Et je sens que je vais mal dormir parce que je commence à avoir très très peur. J'espère seulement ne pas faire de cauchemar. Bonne nuit, les potes. Wow. Ok, j'ai l'impression qu'on est dans mon rêve. Waouh, on est entouré d'eau et on a l'air d'être sur une île. Une île, ma foi, très très bizarre. C'est quoi ces fleurs? On a des palmiers un peu bizarres, mais on a l'air d'être dans mon rêve. C'est trop bien, il y a même des pièces d'or et tout. Oh, je rêve ou c'est Sonic? Oh, mais oui. Bon, le Sonic, il est un petit peu déformé, mais ça a l'air d'être lui. Et je crois qu'on est dans son monde, ça explique tout. Allô, Sonic, va dans l'eau, voilà. Il y en a même un deuxième là-bas, mais ils ont une tête bizarre. Est-ce que je peux récupérer les pièces d'or? Non, je peux pas. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Eh, le singe, qu'est-ce que... Ah bah, le singe. J'aime trop ce monde. Allez, va là-bas, Sonic. Ouais. Le monde de Sonic est trop original. Oh, il y a un autre Sonic. Et dans l'eau, toi aussi. Voilà. Ouais. What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Wow, 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 wow. Sonic? Qu'est-ce qui se passe là? T'étais pas mignon il y a 5 minutes? Oh, il y en a un autre là-bas. Eh, pars loin, tu me fais peur. Et il y en a un deuxième ici, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, bouge. Waouh, c'était quoi ce bruit? Oh, waouh. Oh my god. C'est quoi ce Sonic géant de la mort? Ouais, mais attendez, il fait super peur, faut que je parte, vite, vite, vite. Faut s'enfuir, faut pas qu'on se fasse attraper, vite. Il est où? Il est juste ici, il est juste ici, ok, le saut, hop là. Un Sonic maléfique me bloque le passage. Va dans l'eau, je t'ai dit, voilà. Allez, hop là, allez, on saute sur le trampoline et hop là, allez, on va passer par en dessous. Qu'est-ce qu'on a par en dessous? On a un Sonic hérisson trop bizarre. Allez, stoppez, laisse-moi passer. Ok, ok, c'est bon, je peux passer. On passe, nickel. On lâche rien, oulala, là, là, là. Il est toujours là, il est toujours là. On passe le pont. Oh non, un Sonic araignée nous barre la route. Ok, voilà, tu vas bouger, toi. C'est bon, on arrive presque à la fin, on arrive presque à la fin. On y est presque, les amis, je crois qu'on y est. On est à la fin, on est littéralement à la fin. Oui, c'est bon, j'ai gagné. J'espère seulement qu'il n'est plus là. Ouh, il est toujours là. Il est toujours là, les potes. Il est effrayant, il est immense. Oh, wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous aspire. Ah ouais. Non, me mange pas, me mange pas, me mange pas. Oh, ok. Oh, c'était un rêve. Oh, j'ai cru m'être fait manger par le gros Sonic. C'était juste un cauchemar. Je suis sain et sauf sur mon lit. What? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Ça vient de derrière la porte. Y a quelqu'un? C'est qui? Charlie? Bob? C'est toi? Vous me faites une blague? Répondez! Ouais, ça me fait trop peur. Ok, je me cache sous mon lit. Je vais me cacher sous mon lit, les potes. Voilà. Je suis sous mon lit, je sais pas qui est chez moi et qui fait du bruit. Ok, maintenant, faut pas que je fasse de bruit pour pas me faire repérer. Mais c'est qui arrive dans ma chambre, là? Oh, what? La porte vient de s'ouvrir. La porte vient de s'ouvrir. Imaginez si c'est Sonic qui est venu manger. Non. Oh, regardez bien, les amis. Quelqu'un vient de rentrer dans ma chambre. C'est Sonic, à votre avis? Je ne sais pas c'est qui. Il ne bouge plus. Wow, wow, oula, oula, attendez. Il marche. Il se dirige vers ma table de chevet. Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Mais qui ça peut bien... Hé, hey, Souka, t'es là ou pas, Souka? Oh, mais c'est Shrek, mais je reconnais sa voix, mais... Oh, mais Shrek, c'est toi, mais tu m'as fait peur! Mais ça va pas de venir chez les gens sans prévenir, tu m'as fait super peur! Ouais, je sais, je suis désolée, Souka. En fait, je voulais te demander, est-ce que je peux dormir dans ta maison? Les histoires d'horreur m'ont fait super peur, Souka! Bah, toi aussi, ça t'a fait peur, je pensais que t'avais pas peur comme les autres! Bon, ça va, j'ai une grande maison, tu peux dormir ici si tu veux. Mais attention, pas
touche au frigo, hein. C'est à moi. Mais oui, t'inquiète, fais comme si j'existais pas. Je vais regarder la télé toute la nuit. Vas-y, ça marche, fais ce que tu veux, Shrek. On se dit à demain. Moi, je vais repartir à dormir, parce que je commence à avoir sommeil, n'empêche, hein. Allez. Shrek, c'est toi ? Shrek, c'est toi qui viens de taper à la porte ? Souka, je te jure que c'est pas moi ! J'ai entendu quelqu'un toquer à la porte ! J'ai peur ! Ah ouais, mais oh, mais t'inquiète pas, arrête de te cacher derrière moi ! Mais c'est qui est en train de toquer chez moi, là ? Les amis, me dites pas que c'est Sonic ! Tu sais quoi, Shrek, on n'ouvre pas ! Je vais essayer de voir par la fenêtre. Ah, j'arrive pas à voir ! Non, c'est mort, je n'ouvrirai pas la porte. Vas-y, viens, on fait comme si on n'avait rien vu et rien entendu. Et on repart se coucher. Et ça continue à toquer. Ok, les potes. Allez, je vais dans mon lit, je ferme les yeux. Allez, personne toque. Mais ils ne veulent pas m'ouvrir, mais pourquoi? Ça fait 10 minutes que je tape à la porte et personne ne veut m'ouvrir. Mamma mia, comment je vais faire? Je voulais leur demander un petit peu de mayonnaise pour mon hot dog. Mamma mia, je vais devoir trouver une autre solution. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un gâteau d'anniversaire. Oh, miam, 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 miam. Waouh, trop bien, il y en a plein d'autres. Oh, miam, miam, c'est magnifique, je vais tous les dévorer. Et le dernier, oh, miam, 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 c'était super bon. Oh, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oula, y a un bruit qui vient de me réveiller là. C'est Shrek. Shrek, t'es là? T'es encore là, Shrek? Ouais, il est encore là. Toi aussi t'as entendu ce bruit? Ah oui, désolé Souka, c'est moi, je viens de péter. Non Shrek, c'était pas un bruit de paix que j'ai entendu, c'est un bruit qui venait de l'extérieur. Bon, tu sais quoi, reste là, je vais aller voir. Après tout, ça reste ma maison. Et c'est à moi de la protéger. Je vais voir un petit peu ce qui se passe. Ok. Il y a personne à l'extérieur. Pour l'instant, je ne vois personne. Il y a quelqu'un dehors. Oh, attendez, il y a l'air d'avoir un truc là-bas. Un truc rouge. Je vais me rapprocher tranquillement de ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette hache qu'il y a sur le sol? Attendez, mais ce chapeau me rappelle quelque chose. Mario! Smiling Critter, ce Mario, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, what? Oh, il a perdu totalement son corps, il reste que sa tête. J'ai l'impression qu'il s'est fait dévorer par quelque chose. Et les traces continuent de ce côté-là. Allez, réveille-toi mon pote, je t'en supplie. Non, les amis, mettez plein de likes pour sauver Mario. Dès maintenant, mettez un gros pouce bleu pour sauver Mario. Et surtout, savoir qui a bien pu faire ça. Souka, Souka. Ouais, Shrek, qu'est-ce qui se passe? Me laisse pas tout seul dans la maison, Souka. J'ai vu quelque chose de très bizarre par la fenêtre, viens voir. T'as vu quelque chose par la fenêtre? Me dis pas ça, je viens de retrouver Mario. Ok, les potes, je cours vite dans la maison, je cours vite. Parce que, honnêtement, je commence un peu à avoir peur. Du coup, allez, on rentre à la maison et on ferme la porte. Shrek, t'es sûr d'avoir vu quelque chose? C'était pas une blague? Non, Souka, j'ai vraiment vu quelque chose. Ça commence à me faire peur, cette histoire. On devrait surveiller les environs, Souka. Surveiller les environs? Ouais, t'as raison. Dans le grenier, je dois sûrement avoir des drones. Et grâce à ça, les potes, on va pouvoir surveiller l'extérieur. Alors déjà, où sont les drones? Faut juste que je les trouve. Les drones. Ici, c'est mon bureau et tout. Ah, ok, je les avais mis juste ici. On a le petit drone et le gros drone. Bon, je pense qu'on va clairement prendre le gros drone. Et grâce à ça, on va pouvoir surveiller tout le quartier en restant à la maison sain et sauve. C'est bon, Shrek, j'ai ramené le drone. On va le faire passer par là. Hop là, on va casser la vitre pour pouvoir faire passer le drone. C'est bon, le drone est mis à l'extérieur et c'est parti. Je suis à bord du drone et dès maintenant, je vais faire le tour du quartier pour voir s'il y a des anomalies quelque part. Et vous, dans les commentaires, dites-moi si vous trouvez quelque chose que je n'ai pas vu. Pour l'instant, j'ouvre bien l'œil et on avance tranquillement. Ok. Là-bas, on arrive à voir la tête de Mario qu'on avait vue tout à l'heure. Allez, on avance. Le pauvre Mario, il est tout seul ici. T'inquiète pas, on va trouver le coupable. Oh, droit devant nous, il y a l'air d'avoir... C'est quoi, c'est des Sonic? C'est des Sonic? Et on dirait clairement ceux qu'il y avait dans mon cauchemar. Mais c'est pas possible, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et attendez, il y a un truc jaune sur le sol. Comme je suis en hauteur, ils n'arrivent pas à m'atteindre.
Et c'est quoi ce qu'il y a sur le sol? On dirait la tête de Bob l'éponge! Me dites pas qu'ils ont fait ça! Ok, je vais m'en occuper juste après, on continue. On a maintenant Spider Sonic qui est devant nous. Mais les amis, tous les monstres qui étaient dans mon cauchemar sont devenus réalité! Qu'est-ce qu'ils font là? J'espère seulement qu'il n'y a pas le gros Sonic qu'on avait vu tout à l'heure dans mon cauchemar. Pour l'instant, ils ne peuvent rien me faire vu que je suis en hauteur. Attendez, mais c'est encore des Sonic ça ou pas? Oula, ils ont l'air de faire peur eux. C'est des Sonic? Regardez leur tête. Mais qu'est-ce qui se passe? On a littéralement une invasion de Sonic en ville. Regardez juste à côté des Sonic, il y a des traces. Oh what? Oh what? Attendez, le gros Sonic de mes cauchemars est là, il est en ville. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est immense. C'est donc pour ça que tous les Sonic Horror sont en ville, c'est à cause de lui. Vu qu'on a un drone, on va pouvoir explorer un petit peu comment il est. Attendez, à l'intérieur de sa bouche, il a une deuxième bouche. Incroyable. Il a des yeux tout petits et des mains immenses. Pareil pour ses pieds. Ok, faut vite que je rentre à la maison. Faut que j'en parle à Shrek et au plus vite. Ok Shrek, j'ai repéré notre problème. En fait, il y a un nouveau Sonic super grand. Je crois que c'est l'évolution de Sonic Titan. Il est en ville avec toute sa famille et ils veulent dévorer tout le monde. Donc toi Shrek, tu restes ici. Voilà, c'est quoi, cache-toi même dans le grenier si tu veux. Et moi, je pars venger mon ami Mario et mon ami Bob l'éponge. C'est parti. Le pauvre Mario est juste ici. Si vous aimez Mario les potes, abonnez-vous à la chaîne YouTube et mettez un like sous la vidéo. Et on avance un petit peu là-bas. Ah oui d'accord, ils sont trois maintenant. Ah oui, ils sont trois. Ils sont en train de se partager Bob l'éponge. Eh vous là, eh. Ouais vous trois là, eh. Vous avez pas honte de faire ça à Bob l'éponge? Vous allez voir ce que vous allez voir, je vais le venger. Pour vous affronter, j'ai rassemblé trois poux différents. Nous avons le poux version alien, le poux version démon et le poux version catnap. J'ai hâte de voir ce combat et que le meilleur gagne. C'est parti, attention. Ok, les poux se lancent sur les Sonic et les Sonic ne perdent pas de temps. Oula, attendez, mais ils vont jusqu'où là? Le combat est assez stylé, regardez. Oula, par contre c'est très très serré. Les poux, qu'est-ce que vous faites? Battez-vous là, battez-vous vite. J'ai l'impression que les poux ont un petit peu de mal. Regardez, ils se font éjecter super loin. Il y a tout le monde qui compte sur vous les poux. Du coup, oula, non, les poux, il y a tout le monde qui compte sur vous. Je suis en train de vous dire là. Non, non, non. Vas-y, catnap, catnap, catnap. Là, on a l'alien qui a un Sonic pour lui. Oh non, oh l'alien, oh l'alien, bien joué. L'alien, il a dévoré le premier Sonic. On a un deuxième Sonic qui vient de se faire dévorer. C'est incroyable. Il en manque juste un. Et tous les poux sont sur lui en fait. Il en reste qu'un seul les gars. Allez. Bon bah ok, ils en ont fait qu'une seule bouchée. Et le dernier Sonic s'est fait dévorer. Bien joué les poux. Maintenant, faut enterrer Bob l'éponge. Mais avant de l'enterrer, juste devant moi, il y a Spider Sonic. Attends, mais c'est le même qu'il y avait dans mes cauchemars. Il fait super peur. Et pour l'affronter, j'ai ramené la nouvelle évolution de Bob l'éponge. Bon, c'est plutôt Evil Bob l'éponge. Regardez ses yeux et ses dents. Sur ses mains, il a les mêmes pinces que les crabes. Et il a des pattes d'araignée, on dirait. En tout cas, j'ai hâte de voir ce combat. 3, 2... 1, c'est parti. Attention, que le meilleur gagne. Je ne sais absolument pas qui est-ce qui va gagner. En tout cas, je suis tout cœur avec Bob l'éponge. Ok, ça se tape dessus hein. Ça se tape dessus. Oula, je ne sais absolument pas qui remporte pour l'instant ce combat. Mais ça se met des grosses claques hein. Ok, vas-y, Bob l'éponge. Mords-le, dévore-le. J'avais pas vu, mais Sonic, regardez, il a une queue de scorpion. En fait, Sonic n'est pas une araignée, c'est plutôt un scorpion, regardez ça. En fait, il a des pattes de scorpion. Ok, je vois. Allez, allez, allez. Bob l'éponge, Bob l'éponge, Bob l'éponge. On sait que tu peux le faire. Allez, tu peux le dévorer. Bob l'éponge, oh. Oui, bien joué, Bob l'éponge. Il a dévoré le scorpion Sonic. Regardez-le. Ah oui, il faisait quand même peur hein. Même si l'autre Bob l'éponge est mort, toi tu as réussi à tout casser. Merci poteau. Continuons vers les prochains. Ah oui, ok. C'est ces trois Sonic qu'il y avait dans mes rêves aussi.
Ils ont plein de taches sur eux, ils ont les yeux super rouges. Leur adversaire est un adversaire qu'on n'avait pas vu, ça faisait un petit moment. C'est Catnap version Venom. Vous connaissez tous Catnap et vous connaissez bien évidemment Venom. Et là, c'est la fusion entre les deux. Je vais le rétrécir un petit peu, voilà. Et avec l'aide de ses 6 bras, il va pouvoir en venir à bout de ses 3 Sonic. Allez Venom, on compte sur toi et c'est parti. Let's go. Oula, ok, il balance des boules de feu sur les 3 Sonic. Ok, les 3, oula, Venom. Il se fait projeter à l'autre bout de la map, mais il n'abandonne pas. Regardez, les 3 se jettent sur lui. Et lui, il leur balance des boules de feu. J'ai l'impression. Et ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Attends, ne bug pas. Allez. Tiens bon, je sais qu'ils sont 3, mais toi t'as des super gros muscles, Venom. Allez, les pas de ce combat est incroyable. Il est un petit peu déséquilibré, vu qu'ils sont 3 et que Venom est tout seul. Mais bon, je pense qu'il va pouvoir se débrouiller. Regardez toutes les boules qui balancent, oui. Allez Venom, dévore-les, brûle-les, transforme-les en barbecue, je sais pas. Mais attendez, mais ces Sonic-là, ils sont super résistants. Attendez, mais ils sont trop résistants, je pensais qu'ils allaient se faire dévorer en un claquement de doigts. J'ai l'impression, les amis, que les Sonic arrivent à esquiver les attaques de Venom. Ou alors, peut-être que les attaques de Catnap Venom ne sont pas très très forts au final. Oh, pardon. Catnap Venom a réussi à se faire dégommer par les Sonic. C'est pas grave, vu que leur prochain adversaire sera le nouveau gardien des anomalies évolué. Regardez la taille de sa grande bouche. Il va en faire qu'une seule bouchée. Allez, vas-y, c'est le moment. C'est... Oh, bah, regardez, il en a déjà... il en a déjà dévoré un. Ok, il en manque 2. Je te laisse faire. Allez, vas-y. Oui, ok, un deuxième vient d'être dévoré. Il en manque plus qu'un seul. Et voilà. Et par contre, le gardien des anomalies, il est trop fort. Mettez un like si vous le trouvez super fort, parce qu'il en a fait vraiment qu'une seule bouchée, hein, vraiment. Et plus on avance, plus on se rapproche de la forêt. Et regardez ce qu'on arrive à apercevoir. Le nouveau Sonic mutant. Je pensais qu'il existait que dans mes rêves ou dans mes cauchemars. Il est... Oh, wow. Ah, il est immense. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh là là, attends, les pattes, faut que j'aille me cacher. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se battre avec l'autre gardien. C'est une blague? L'autre gardien vient de se faire dévorer. Oh non, c'est une blague. Ok. Moi, faut que j'aille me cacher. Au plus vite avant qu'il m'a... Oh non, et je crois qu'il arrive vers moi là. Les potes. Il faut vite que j'aille me cacher quelque part avant qu'il ne soit trop tard. Il est effrayant. Comment je vais faire pour le battre? Il faut que je l'attire dans un endroit plus calme et plus grand. Parce que là, regardez sa taille, il va me dévorer tout cru, c'est n'importe quoi. J'ai finalement changé de map pour pouvoir mieux voir ce gros Sonic. Parce que dans le noir, j'arrivais pas trop à voir à quoi il ressemblait. Regardez la taille de ses mains, sérieux. Ses pieds, on n'en parle pas, mais regardez la taille de sa bouche. On va essayer de rentrer à l'intérieur et il y a une autre bouche à l'intérieur de sa bouche. C'est... Oh, c'est énorme, waouh. Il a des toutes petites dents et une grosse tête. Par contre, il a un tout petit corps. J'ai hâte de voir ses aptitudes au combat. Son premier adversaire sera le Evil Shrek, voilà. C'est le Smiling Critter, ce Nightmare. Il fait super peur et j'ai hâte de voir son combat. C'est parti, que le meilleur gagne, attention. Oh, what? Sonic a mordu Shrek? Et Shrek est mort en un seul coup? Waouh. Attendez, je vais contrôler Sonic un petit peu pour voir ses attaques. Ok, bon, il court comme ça. Est-ce qu'il peut sauter? Il a pas l'air de savoir sauter. Ok, il peut donner des coups de pied et des coups de main. Il peut aussi mordre. Et sa technique spéciale, c'est d'aspirer le monde. Ok. J'ai placé des différents Huggy-Wuggy juste devant le gros Sonic. Et on va voir si son attaque spéciale marche avec les Huggy-Wuggy. Attention, il va aspirer. Est-ce que... Oh, waouh. Incroyable, ça fonctionne. Il a mangé la plupart des Huggy Wuggy. Incroyable. On va voir s'il fait le poids devant le grand El Grand Maha. Ok, c'est parti, ça commence. Sonic se jette sur lui. Ok, El Grand Maha. Oh, El Grand Maha. Pardon. Attendez, c'est Sonic qui a fait tomber la nuit. Oh, mais les potes, je crois que
On a devant nous un Sonic beaucoup plus fort que la normale. Il faisait jour et d'un coup il a fait nuit. Et il a dévoré El Grand Mara. On va voir si tu pourras faire le poids devant le grand prototype de Poppy Playtime. On le sait, c'est un boss indestructible vis-à-vis de Poppy Playtime. Mais on va voir le combat. 3, 2, 1. C'est parti. On sait que... Oh, le prototype a des... Voilà, regardez. Il a des techniques incroyables. Oh, attendez, quoi? Sonic tente d'aspirer le prototype, mais ça n'a pas fonctionné. Ce combat est littéralement trop stylé. Regardez, il électrifie Sonic et Sonic n'arrive même plus à bouger. Ok. Pour l'instant, le combat est assez serré. Non, il n'est pas serré en fait. Le prototype s'est fait lui aussi dévorer. Incroyable! Cette fois-ci, je pense pas que tu gagneras. Regardez ça! J'ai ramené le nouveau Pou mutant. Il fait peur et surtout, il a très très faim. Ok, ça commence. Ça commence. Oh non, la nuit! Il a... oui, d'accord. Bon, je n'ai pas réussi à trouver d'adversaire capable de le battre. Si vous pensez qu'un personnage est capable de le détruire, dites-le moi dans les commentaires, je compte sur vous. Je vais lire tous les commentaires, mettez un gros like sous les vidéos et abonnez-vous pour plus de vidéos avec ce Sonic. La prochaine fois, on ira découvrir toute sa famille. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Souka, ciao les potes.